l'idée, c'est d'arriver à comprendre comment nos imaginaires sur l'ailleurs peuvent se bâtir. Et à travers la collection Carroger Violet, nous avons affaire à deux des plus grandes agences de photographie du 19e siècle et du début du 20e siècle sur l'Orient, le Moyen-Orient et le Maghreb. Et à travers ces milliers de photographies qui étaient les premières en fait à arriver de ces territoires, qui étaient destinées à l'époque soit à illustrer les magazines, soit à faire des cartes postales ou des photos, on comprend comment d'un seul coup c'est figé une image de l'Orient, aussi bien sur les hommes que sur l'habitat, que sur les paysages. En décryptant ces images, on comprend comment l'orientalisme, comment le regard sur l'autre, comment l'invention de la mauresque, comment le monde oriental et la Méditerranée en fait s'est bâti vu d'Occident. C'est l'invention de l'orientalisme. Et là on a avec 300 photos un regard assez incroyable sur une époque qui nous paraît lointaine et en même temps qui a fabriqué tous les morphotypes qui continuent aujourd'hui à durer. Des collections exceptionnelles conservées par Roger Violet, des photos qui ont une force incroyable et qui surtout étaient le souvenir des voyageurs qui allaient là-bas. Ils pensaient acheter le regard de la réalité et en fait ils achetaient un imaginaire qu'ils ramenaient ici. Donc ce livre, c'est une sorte d'album de famille du 19e siècle et du début du 20e pour arriver à comprendre comment en fait on a inventé l'Orient, comment s'est fabriqué cet imaginaire et comment aujourd'hui nous héritons de cette image.